Il est 6h, départ pour Cassis. Bien arrivé le matin à Marseille, petit arrêt avant de partir sur Cassis. Bien arrivé à Cassis, on est maintenant dans la maison pour la semaine avec les parents, les frères et sœurs, les copains, copines. C'est cool, il y a mon père qui vient de faire Lausanne-Cassis à pied et qui est arrivé en même temps que nous quasiment à Cassis. Du coup maintenant, soirée tranquille avec la famille et demain je vous fais un tour de la maison. Jour 2 à Cassis, ou jour 1, enfin on est arrivé hier, maintenant on est dimanche. Étonnant, je suis en train de perdre la voix. Je pense que c'est le fait de décompresser à fond, de lâcher la pression. Donc désolé pour la voix qui est un petit peu rauque. Mais quel bien fou ça fait juste de chiller un petit peu. De vraiment de penser à rien, de pas avoir tous les mails en tête, tous les projets. Enfin non, c'est un travail, je fais l'effort de pas y penser. Mais je dois avouer que j'ai un contexte qui est assez... qui m'y aide beaucoup. Donc on est avec la famille, avec les parents, avec ma chérie, avec mes frères et sœurs, leurs copains, copines. Il y a juste la plus grande de mes sœurs qui n'a pas réussi à venir avec son copain, malheureusement, c'est dommage. Mais du coup, on est tous ici. Je vais faire un petit tour de la maison, si ça vous dit, pour vous montrer un petit peu l'endroit. Et après, je vous parlerai d'un projet secret que j'ai depuis un petit instant et que je vais pouvoir faire ici, dans cette maison. Je vous dirai après. Pour l'instant, je vous montre la baraque. Donc pour commencer, on a la partie extérieure. Bougez pas, je vous prends juste... La porte d'entrée, dès qu'on arrive, on a un petit peu... Enfin, il y a plein de verdure, c'est juste magique. Et là, on monte vers la maison. Et il y a plein d'endroits pour se poser. Un premier petit canapé ici, un deuxième grand canapé ici. Une petite salle juste là-bas, enfin une salle, un patio juste là-bas, pour se poser un petit peu à l'ombre. Une piscine. Franchement, c'est un coin de paradis. Avec la famille, c'est juste tellement bien de se reconnecter ensemble, de passer un peu de temps ensemble. La table pour manger. Encore un autre petit coin là-bas au fond pour chiller. Un étang juste là. Après, je vous montre l'intérieur. Ça, c'est le chien. Elle s'appelle LOL, c'est jamais. Oui, LOL. L-O-L. Ça va, LOL? Chou. Un grand canapé, c'est là que je suis posé, je bosse pas, c'est là que je suis posé pour mon projet et c'est là que je suis en train de créer un petit peu le contenu aussi pour cette semaine. Un petit bar et c'est très aéré, vraiment. Donc là en fait on a une petite vue sur le jardin intérieur avec notre chambre là en haut, une autre table à manger, le lit des petits et là on monte dans l'autre partie de la maison, la partie un peu des chambres. Là, il y a une chambre à droite, les WC encore à droite, une petite douche avec un petit sauna. La chambre des parents et notre chambre avec le pool, avec une belle vue et une petite terrasse. Et je vous montre juste l'autre piscine.
On monte ici. Et c'est un autre petit coin de paradis, assez privé, avec une petite piscine et un autre petit coin à l'ombre. Voilà, franchement, juste un endroit paradisiaque. Je suis trop reconnaissant de pouvoir avoir des vacances comme ça avec la famille. J'ai trop, vraiment, je suis trop reconnaissant d'avoir une famille qui est aussi attachée les uns aux autres, qui prend autant soin les uns des autres. Vraiment, on est très fusionnels tous ensemble et on passe des instants juste magiques. Et j'ai des parents qui... Ouais, franchement, je suis trop reconnaissant. J'ai une famille en or. En tout cas, c'est... Mais il faut que je vous parle d'un petit projet, d'un gros projet même que j'ai, qui me tient à cœur depuis longtemps et je vais le faire à fond ici. Bougez pas, je me pose juste. Hop là, mais Greg, quel est ce projet? Quel est ce projet? Quel est ce projet? Ok, donc ce qu'il faut savoir, c'est que il y a maintenant environ... C'était quand? C'était il y a environ 3 ans en arrière, j'ai annoncé sur LinkedIn que je voulais écrire un livre. J'avais commencé à le faire, j'avais commencé un petit peu à écrire le livre, mais j'ai pas eu les couilles, vraiment, d'aller jusqu'au bout. Et je me suis un peu découragé entre temps. Je me suis dit, mais attends, mais t'es pas légitime, t'as pas l'expérience, t'as pas les épaules, t'as pas ce qu'il faut pour faire un livre. Vraiment, j'avais l'impression d'être un... Je sais pas comment dire, pas un imposteur, mais c'était un peu ça, le syndrome de l'imposteur, de se dire mais j'ai rien à faire là en fait, j'ai pas ce qu'il faut pour faire un livre. Mais voilà, du coup le projet secret qui n'est plus si secret que ça, c'est que je suis en train d'écrire un livre. Rien que d'en parler, ça m'excite trop vraiment. J'ai déjà bien entamé, je l'ai commencé. Pour tout vous dire, le contexte un petit peu, c'était pendant la période de Covid-19. Et j'ai eu 2-3 semaines un peu à vide, comme je les appelle, où vraiment c'était 2-3 semaines où j'étais pas du tout motivé, j'avais rien envie de faire. Et je me suis dit mais... c'est la merde, les clients ils se barrent tous les uns après les autres. C'est ma chérie qui m'a dit un jour, quand elle voyait que j'étais un peu en train de tourner en rond dans le salon, à me dire mais qu'est-ce que je pourrais faire? Vraiment j'avais envie de créer des choses, j'avais envie de bouger malgré ce Covid-19 en mode confinement où t'es bloqué à la maison en quarantaine. Elle me dit mais commence enfin ce foutu livre que tu veux écrire. Et du coup elle m'a forcé un jour à me dire tu rentres ce soir à la maison, t'as écrit une page. Tu rentres ce soir, t'as une page et tu me la montres. Et je suis trop reconnaissant qu'elle me pousse comme ça aussi dans mes limites, vraiment c'est... trop cool. Et du coup je suis parti au bureau et j'ai commencé à écrire. Et c'est un livre qui parle, j'ai le titre mais j'ai pas encore envie de le spoiler maintenant, mais en gros qui parle de comment rendre l'impossible possible. Comment faire pour réussir à changer un peu ses pensées limitantes, comment réussir à voir au-delà de ses limites et comment réussir à accomplir toutes ces choses qui nous paraissent maintenant aujourd'hui impossibles, mais qui peut-être dans quelques semaines, quelques mois, quelques années on se dira en fait c'était pas si compliqué que ça. Et c'est basé sur plein d'expériences qui me sont arrivées à moi. Et de nouveau, comme j'aime beaucoup le dire, c'est important pour moi, c'est pas un livre qui dit comment faire, c'est pas un livre qui donne des explications, c'est pas un livre qui donne des directives à suivre. Non, c'est un livre qui est là pour partager des choses que j'ai apprises personnellement. Donc je me suis dit pourquoi ne pas essayer de résumer toutes ces choses que j'ai pu apprendre à travers toutes les expériences que j'ai vécues jusqu'à maintenant. Il y en a encore plein qui vont arriver après, je sais, je suis qu'au début, c'est sûr. Mais je pense que maintenant, c'est déjà intéressant de partager un peu toutes ces choses que j'ai pu apprendre et que j'ai pu expérimenter. Voilà, donc c'est un livre qui aura pour mission d'aider les personnes à passer de l'impossible au possible, à trouver des solutions, à dépasser les frontières et les barrières qu'on pourrait se mettre tous les jours. Du coup, je suis aujourd'hui dans cette baraque avec la famille, avec ma chérie, entouré des personnes que j'aime. À part ma sœur, malheureusement, qui a pas réussi à être là avec son copain, j'ai un cadre parfait. Et vu que j'évite un petit peu la plage, le soleil, je suis pas un grand fan de ça, donc je suis ici, posé, tranquille. Je me pose dans ce petit coin à l'ombre, après dans celui-là à l'ombre, sur le canapé ici. Donc voilà, je l'ai annoncé, je suis en train d'écrire mon tout premier livre. J'espère que ce projet vous hype, vous aussi. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Du coup, semaine créative pour moi ici, semaine de reconnexion avec la famille. Et voilà, maintenant je vais me poser, écrire un petit peu. Je viens de sortir à l'instant l'épisode 6 où je parlais justement du fait que j'ai besoin de vacances. Donc c'est parfait. Mais voilà, en tout cas maintenant je vais écrire un petit moment tranquille avec la musique classique. J'aime trop le classique, c'est une musique qui m'inspire. Je sais pas si vous kiffez aussi, mais si oui, dites-le moi en commentaire. Et voilà, du coup je vous laisse.